Pépé boit pas tout le carburant. Et vous savez où il va nous emmener, cette ferraille? Au Mazout Club, ça vous branche? Ah, mais c'est un club trop... Je veux dire trop monstrueux pour nous, ça. Eh ben pas cette fois, ma petite pistule, regarde. Le facteur Segoué, il nous a refilé les invitations de la famille Scrognognon. Donne-moi un petit coup de patte, ma petite plate. Comme on quitte la caverne pour un bout de temps, il vaut mieux fermer le robinet de crasse moufarde. C'est quoi encore ce raffut? En route pour le Mazout Club! Regardez, monsieur le maire, c'est une véritable catastrophe! En effet, les lilas ont l'air de dépérir à vue d'œil. Et je ne trouve pas d'explication à ce phénomène qui semble toucher tous les lilas. Et qu'est-ce qu'il y a? Des lilas malades, ça ne te rappelle rien. Oh, mais si, bien sûr, j'étais alors une petite fille. Les monstres étaient partis en vacances et les lilas avaient tous péri. Si cela se reproduit aujourd'hui, il ne fait aucun doute que nos drôles de bestiaux sont repartis. Et sans eux, c'en est fini de Lilaville et de son économie florissante. Oh, ben ça alors, c'est grâce à ma famille que le lilas pousse toute l'année à Lilaville. Moi, je vois pas trop le rapport avec les lilas et les horribles poilus. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il faut les ramener et s'entraîner. Oui, mais où sont-ils partis? Cette nuit, je les ai entendus parler du club... Mazout? Le Mazout Club? Non, arrête, c'est pas possible. C'est le club de vacances le plus réputé pour les monstres. C'est incroyable. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à écourter leurs vacances. Oui, tu as raison. J'ai pas une minute à perdre. Bon alors, t'as bien compris? Je te répète, c'est simple. Tu actionnes les pédales à droite pour accélérer et à gauche pour freiner. Bon voyage, on compte sur toi. Merci, et t'inquiète pas, je... Waouh! Oh, c'est top, cher boss! Bonjour, le Mazout Club souhaite la bienvenue à toute la famille Scrognognon. Mais c'est bizarre, je croyais que vous aviez deux enfants. Ouais, l'autre. Ben en fait, on l'a laissé sur la route, c'est trop bête, hein. En ce qui concerne votre séjour ici, la devise du club est: vous pouvez rester tant que vous n'avez pas tout essayé. Cabine 22. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un méga cher beau séjour. Mais qu'est-ce que je vois? Oh, la bonne salade d'algues gluantes. Ah, c'est trop génial! Pepper, viens me rejoindre! Y a rien de mieux qu'un peu de mazout pour la puanteur des poils! Attends, maman! J'ai pas encore terminé mon château!
château hanté. Voilà, ça mort. Je crois que vous allez vous régaler ce soir, mes petites crevures. Ah, ben celui-là, dis donc, on peut dire que je l'ai mérité, ouais. Quoi? Mais comment t'as pu le laisser partir? Et s'il a un accident ou qu'il se perd? Tu aurais dû me prévenir, je serais partie avec lui. Allez les pourritures, c'est ma tournée. Alors on a dit un diesel, deux super et un sans plomb pour la petite. Ça nous fait un plomb. Quoi? Mais non, je rêve. Qu'est-ce qu'il fait là, le propre à tout? Oh non, pas lui. Il serait capable de nous gâcher nos vacances. Il faut absolument que vous rentriez à la maison. Depuis votre départ, les... On est en vacances ici et tu vois, on se marre tellement qu'on n'a vraiment pas l'intention de rentrer à Lilaville. Alors, bon voyage. Oh non! C'est très bien, félicitations. Et voilà, vous venez de tester toutes les activités du club. Vous connaissez la devise. Vous devez maintenant plier bagages, car d'autres vacanciers attendent leur tour. Ah, tiens donc, j'ai peut-être trouvé le moyen d'écourter les vacances de ma famille. Je ne te connais pas. Dis-moi, qui es-tu? C'est ma famille, là-bas. Ouais, je m'ennuie. J'aimerais bien faire les activités en attendant. N'oubliez pas que l'inactivité n'est pas tolérée dans mon club. Votre fils doit participer au jeu comme tout le monde. C'est le règlement. Et voilà le petit Scrognognon qui vient de se prendre une belle tannée à l'épreuve de pousse-charrue. Mais c'est qu'il a la patate, le fils Scrognognon. Le voilà maintenant à l'épreuve du parachute pourri. Ah, oui, mais pas pour longtemps. Catastrophe sans précédent, tout sur la crise du lila à Lilaville. Que va devenir notre belle cité? Mon petit monstre, pourvu que tu reviennes vite. J'en ai pour longtemps, docteur. 3 semaines sans bouger, petit. Tout compte fait, ça va te permettre de profiter encore plus longtemps du confort du club. Ah, mais non, j'ai encore plein d'activités à faire. Méga Sherbos comme ambiance. Waouh, j'adore trop cette musique. Autant d'activités en si peu de jours, tu as battu un record de vitesse. Le Mazout Club n'a jamais affiché un aussi beau score. On peut partir alors? Certainement pas. Tu viens de gagner pour toi et ta famille 15 jours de vacances complètement gratos. Oh, c'est pas vrai. Salut les têtes d'œufs, on est la famille Scrognognon. Oh non, ça m'étonnerait. La famille Scrognognon est déjà là. N'est-ce pas, petit Scrognognon? Ah, mais non, moi je suis un scrognonieux. Quoi?
Comment ça? Tu veux dire qu'il y a des resquilleurs au Mazout Club alors? Bougez pas! Je m'en occupe personnellement. Tu peux vraiment être fier de toi! Pour une fois qu'on partait en vacances, t'as tout gâché! Nom d'une vieille chaussette trouée! Comment as-tu pu leur dire que, qu'on n'était pas la famille Scrognognon tête d'œuf pourrie? Tiens bon, Lilaville, quelques kilomètres encore et on arrive! Oh, y a pas à dire, finalement on est mieux chez nous, hein, ma vieille morue? Y a rien de mieux qu'une bonne petite giclée de crasse bouffarde dans le gosier pour se requinquer. T'es vraiment ma répugnante. Miracle, miracle. Mes chers, très chers Lila, que vous êtes beaux, que je vous aime. Ben dis donc, on peut dire que t'as sauvé Lilaville, Kitou, t'es un héros. Oh, j'y suis pour rien, moi. Tout ça, c'est grâce à mon épouvantable famille. Au moins, elle sert à quelque chose. Bon, c'est bon. Allez, à vous, ça fait quoi d'être un super héros? Ben, ça gratte, quoi.